suicide de Mark Selling, l'acteur de Blair retrouvé pendu à un arbre. Déjà suicidaire, l'acteur devait être condamné en mars prochain. Énorme choc à Hollywood mardi 30 janvier, après l'annonce de la mort de l'acteur Mark Selling, ancien interprète de pub dans la série Glee. L'acteur de 35 ans s'est suicidé par pendaison, alors qu'il était dans l'attente de sa condamnation dans une affaire de pédopornographie. Le site TMZ dévoile que la police de Los Angeles a retrouvé son corps pendu à un arbre près d'une berge à Saint-Lan, Californie, mais n'a pas découvert de lettre de suicide sur les lieux. Les officiers de police avaient été informés de sa disparition par la famille de Mark Selling. Lorsqu'ils ont repéré une voiture abandonnée au bord de la route, ils ont recherché son propriétaire grâce à la plaque d'immatriculation. C'est en explorant les environs à sa recherche qu'ils sont tombés sur son corps sans vie. Sa mort a été confirmée par son avocat Michael L. Procter. « Je peux confirmer que Mark Selling est décédé tôt ce matin », a-t-il écrit à l'AFP mardi. L'acteur, qui avait déjà tenté de se suicider en août dernier, avait été inculpé en mai 2016 pour possession de milliers d'images et vidéos pornographiques mettant en scène des enfants, particulièrement des fillettes. Il avait été libéré sous caution après son arrestation par la police de Los Angeles. Au tribunal, il avait plaidé coupable et attendait sa sanction. Il devait écoper d'une peine de 4 à 7 années de prison lors de sa condamnation en mars. Ses anciens collègues de Glee, bien qu'embarrassés par les accusations qui pesaient contre lui, sortent peu à peu du silence. « C'est triste et vraiment tragique. Je me rappellerai de lui comme du mec qui était si gentil dans la vidéo qu'il avait faite au début de Glee, quand il était si heureux de faire partie de cette bande. » C'est tragique et ça fond le cœur, a déclaré à TMZ Jen Lynch, interprète de Cecil Vesté. De son côté, Mattel Morrison, alias Rich Lesté, a posté un cliché de lui posant avec Mark Selling, et le regretté Cory Monteith sur Instagram avec seulement quelques émojis. Sono portata a pensare che per me sia più facile trovare l'amore a uomini e donne perché ho una vita sociale molto tentata. JPG celebres por la televisión, el deporte o sus amores, su fama, les ayuda a publicitarse en la profesión de moda, el coaching.